Sur la base aérienne de Dijon, chaque jour, les missions se succèdent pour Michel Tanguy et Ernest Laverdure. À Paris, de mystérieux personnages discutent. Monsieur Franck. Bonjour, messieurs. Votre visite ne me surprend pas du tout. J'étais sûr qu'un jour ou l'autre, vous ferez appel à notre organisation. Vous voulez vous asseoir? Merci beaucoup. Un petit whisky? Non, pas maintenant. Bon, eh bien, que puis-je pour vous? J'irai droit au but. Vous savez sûrement qu'un pays étranger envisage l'achat d'une 60aine de Mirage 3. Et tout à fait exact. Et c'est à l'honneur de la construction aéronautique française. Trop précisément. Cela gêne considérablement un de mes très bons amis. Il préférerait que cet important marché ne soit pas conclu, du moins avec la France. Vous me comprenez? À merveille. Dans la mesure où vous et moi, nous donnons le même sens au mot ami. Vous voulez dire la même valeur? Voilà. Vous aussi, vous m'avez compris. C'est une affaire considérable. Mon client est prêt à payer largement. Eh bien, dans ce cas, je crois que tout va pouvoir s'arranger. À une condition. En aucune façon, mon ami ne désire se trouver mêlé à cette affaire, de près ou de loin. Aucun soupçon ne doit l'effleurer. Ben voyons, ça va de soi. D'ailleurs, nous n'avons jamais le moindre incident. Notre organisation est puissamment outillée et nous ne laissons jamais rien au hasard. Ah, je sais, c'est pour ça que je suis ici. Il faut agir très vite. Dans 3 jours, l'un des meilleurs pilotes d'essai du pays acheteur arrivera à la base de Dijon pour étudier l'avion à fond. Ensuite, il remettra un rapport. Il est essentiel que ce rapport soit défavorable. Bon, écoutez, nous ferons le nécessaire. Faites-moi confiance. Normalement, la visite du pilote est suivie d'une mission d'achat chargée de conclure l'affaire. Il serait préférable que cette mission n'ait même pas à se déplacer. Rassurez votre client, je vais mettre immédiatement en place mon dispositif à Dijon et je vous promets que nos meilleurs agents vont s'occuper de très très près de votre pilote d'essai. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Note pour le commandant d'escadre. Nous attendons la visite d'un pilote d'essai étranger. Le lieutenant Tanguy le prendra en charge. Je compte sur vous pour qu'il retire la meilleure impression de l'avion. Une importante commande de matériel est en jeu. Faites-lui exécuter quelques vols en double commande, puis lâchez le sol le plus rapidement possible. Veillez aussi à ce que son séjour à Dijon... Au fait, Nicole, vous devriez vous aussi vous occuper de ce pilote. Moi ? Rassurez-vous, je ne vous demande pas de vous sacrifier pour encourager l'exportation, non. Je voudrais seulement que ce garçon soit amicalement traité pendant son séjour. Vous savez, le climat dans lequel on vit contribue souvent à vous faire voir les choses différemment. Soyez une hôtesse charmante, Nicole. Bien entendu, je vous ouvre, à vous et à Tanguy, un crédit illimité. Un petit crédit. Quelle libéralité. L'affaire doit être importante. Assez, oui. Mais n'en profitez pas pour régaler l'escadre chaque soir, hein. Note pour l'état-major de la 2e division aérienne. C'est la première fois que vous venez en France, monsieur Günther. La première fois depuis longtemps, depuis que j'ai quitté Munich et que j'ai accepté ce job de pilote d'essai en Amérique du Sud. J'ai l'impression de redécouvrir votre pays. Et cette découverte? Émerveillée, mademoiselle. J'espère que monsieur Günther aura les mêmes yeux pour notre avion. Je le souhaite, mais ce sera plus difficile. C'est une machine terrible, vous verrez. Quand on décolle pour la première fois, hein, et qu'on se voit grimper à la verticale, là, comme ça, la... S'emballer, je vous dis. Voilà la 8e merveille du monde. Belle bête. Difficile à tenir en vitesse réduite, sans doute, comme toutes les ailes Delta. Ça vous... lâche sans prévenir. Seul un débutant peut se faire piéger. C'est un chasseur que vous cherchez, pas un avion d'aéroclub. Nos pilotes ne sont pas tous des as. Ici non plus, bien sûr. Écoutez, Tanguy, inutile de se faire du cinéma. Si mon pays achète cet appareil, vous ne toucherez pas un franc de plus. Et moi non plus. Mais j'ai la responsabilité des gens qui vont piloter cet appareil. Où voulez-vous en venir? Je vais te faire plaisir. Avec vous. Si je suis ici, c'est qu'on me l'a commandé, parce que votre appareil, je n'y crois pas. Il nous faut l'intercepteur idéal. Souple, rapide, maniable et sûr.
Si je ne croyais pas en cet avion, pensez-vous vraiment que je pourrais m'y coller? Nous verrons bien. Quand me montrez-vous ce que ce piège a dans le ventre? Eh bien, dès demain, si vous voulez. Volant train sorti à 160 nœuds, vitesse minimum. Alors, ça décroche? Bien sûr, vous le menez comme une demoiselle, votre avion. Ok, reprenez-vous, on va danser. Ok, Tanguy, arrêtez la musique. Cessez de me secouer comme un panier à salade. Et nous rentrons. Et surtout, ayez le triomphe modeste. Grâce à vos avions, j'aurais connu tout ça, ce pays, ce musée, et surtout la plus charmante hôtesse que j'ai jamais rencontrée. Pour un rien, je me ferais bourguignon. Il ne tient qu'à vous. Allô, Eric. Soyez sérieux. Nicole, je voudrais vous poser une question indiscrète. Vous ne serez pas fâchée? Non, Eric, je ne serais pas fâchée. Pas avec vous. Mais je ne vous promets pas de vous répondre. Voilà, je me demandais, croyez-vous, Nicole, que vous êtes vraiment faite pour Tanguy? Dieu sait si c'est un garçon qui m'est sympathique, mais je ne sais pas, je... Pardon, Nicole, je me mêle de choses qui ne me regardent absolument pas. Pourquoi dites-vous ça? Tanguy est un type très bien, mais j'ai l'impression que son métier passera toujours avant vous. Il est pilote, jusqu'au moelle. Au fond, il a un turbo-réacteur à la place du cœur. Heureusement qu'il ne vous entend pas. Vous êtes sensible, réfléchi, artiste. Ça se complète assez bien, non? Ah, voilà le joli mot, complète. Pour moi, complète, ça veut dire fini, terminé. Croyez-vous vraiment que la vie consiste à rencontrer un jour la personne qui vous complète et que tout s'arrête là? Vous n'avez jamais envisagé les choses sous cet angle-là? Venez, Michel doit nous attendre. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjeuner, Nicole meurt de faim. Eh bien, allons-y. Vrai Tanguy, pour l'avion, je n'ai pas d'opinion, mais pour Nicole, mon opinion est faite définitivement. Elle m'a enveloppé. Elle vous a enveloppé. Emballé, Eric. Je vous ai emballé. Nicole, vous êtes merveilleuse, je vous adore. Eric, tu sais qu'il me fait une cour éhontée. Je suis découvert. C'est un avion que vous êtes venu découvrir. C'est écrit en toutes lettres sur votre émission. Je veux dire que l'avion m'a étonné. Tanguy m'a fait une démonstration éblouissante. Mais c'est lui qui tenait le manche à balai. Il va falloir que je prenne ce piège entre les mains pour me rendre compte vraiment de ce qu'il a dans le ventre.
Je vous garantis que je ne ferai pas de cadeau. Banco, je vous lâche demain matin. Vous êtes prêt, vous pourrez secouer l'avion tout à votre aise. Vous avez un appareil disponible ? Le 2ET. Je lui ai fait enlever les bidons. Comme ça, vous pourrez le pousser au maximum de ses possibilités. Décollage à 8h30. Vous n'avez pas peur que je le casse ? Je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Si vous vous sentez seul, vous pouvez m'appeler sur la fréquence de veille 243. Il serait trop content. Les barbelés ont été cisaillés. Alerte ! Paris, vite ! Pas, vous êtes dingue! Qu'est-ce que vous foutez là? La clé de Prodigio. Qui êtes-vous? Je suis journaliste. Voici ma carte. Et ça, c'est votre tenue de travail? C'est un camouflage. Il fallait bien que je me déguise pour passer inaperçu. Je fais une série d'articles sur le manque de surveillance dans nos terrains militaires. J'avais parié que je pourrais m'y introduire sans me faire repérer. Ben, vous avez gagné. Oui, plutôt. Mais ça risque de vous envoyer en cabane. Allons, faites pas l'idiot, mon vieux. J'habite à l'hôtel Continental. On arrangera ça demain avec le colonel. Attendant, vous arrangez avec les gendarmes. Allons-y. J'ai l'impression de me conduire d'une façon affreuse. Pourquoi ? Vous me comprenez très bien. Pas du tout. Je ne vous aime pas, Eric. Peut-être un peu amoureuse ? Je n'aurais jamais dû vous accompagner ici. Très bien, Nicole. J'ai tenté ma chance, ne m'en veuillez pas.
crois qu'il vaut mieux que je vous raccompagne. Non, je vous en prie, restez encore un peu. Bonsoir. Bonsoir, Tanguy. J'allais justement partir. C'est que je vole demain matin très tôt. Je crois que c'est plus sage. Bonsoir, Nicole. Eh bien, moi qui pensais tomber en pleine sieste. Ça ne va pas? Dis-moi. On a fait du mal à ma petite sœur. Michel, si tu savais. Es-tu sûr qu'il y a quelque chose à savoir? Il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est que je t'aime. Le reste n'est pas grave, je t'expliquerai. Mais je t'aime. Mais tu dis ça comme si tu venais de t'en apercevoir. Peut-être. En tout cas, maintenant, j'en suis vraiment sûre. Ah, cher ami, comme c'est gentil à vous d'être venu. Vous voulez dire admirable? Voilà 20 ans que je ne m'étais pas levé à 5 heures du matin. Mais vous n'allez pas le regretter. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons expédier le pilote d'un côté et l'avion de l'autre. Un petit morceau comme ça. Et moi, je vais être sur place pour voir qui arrive le premier au sol. C'est drôle, non? Sabotage et attentat. Oh, les mots sordides. Non, disons des impondérables. Des incidents dans le fonctionnement des appareils. Imprévisible, naturellement. Quand? Ben, dans quelques heures, je vais être sur la zone opérationnelle, comme disent ces messieurs. Bien, mais... Mais quoi? Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous m'avez fait lever à 5 heures du matin. Eh bien, parce que, étant si près du but, j'aimerais bien voir tomber un petit chèque. Ah, 200 000 anciens? Je n'apprécie l'ancien qu'en peinture. En monnaie, je suis résolument moderne. C'est pour mes frais généraux, les restaurants, l'essence. 20 millions? Et tout augmente. Mais le succès est là. Ok, mon lieutenant. En forme? Pareil. Alors, Légus, on a bien dormi? Bon, ça va. Tarek a eu un sacré random cette nuit. La patrouille a ramassé un type qui se baladait sur la base, un journaliste. Bah, qu'est-ce qu'il foutait là? Une bonne bande. Attends, mais tu connais pas la meilleure. C'est qu'il a réussi à se tirer pendant que les gendarmes l'emmenaient. Oh, sans blague. Voilà. Quand vous voudrez, mon vieux. Je vais vous remplacer. Je viens de lâcher notre Charlot et je lui ai dit de rester en contact permanent avec moi sur la fréquence de garde. Allez-y. Notre indicatif est Jumbo. Milton Zulu. Ici Jumbo Opération. Tout va bien? Milton Zulu, rien à signaler. Thank you.
Milton Zulu, toujours au cas. Vous avez peur pour votre engin, Tanguy? Vous êtes en train de lui secouer les tripes. Jumbo de Milton Zulu, panne hydraulique 1. Nom de Dieu. Ah, la poisse est toujours comme ça. Milton Zulu de Jumbo, c'est pas grave. Vous êtes branché automatiquement sur le circuit 2. Le magnéto. Surveillez votre pression. Ne touchez plus aux aérofreins. Virez lentement de 180 degrés par la droite. Gardez l'écoute. Affirmatif. Quelle fréquence? Bleu 4, qui va vous ramener au plus vite. Surveillez votre pression. Il y a du fading, aidez-moi. De Milton Zulu, la pression fout le camp. Il y a une fuite quelque part. Jumbo, panne hydraulique 2, votre dernier mécanique lâche de partout. Milton Zulu, stand by. Bouclez-la. Restez calme. Isolez les circuits 1 et 2. Vous êtes sur circuit de secours. Évitez toute manœuvre brusque. Hydraulique secours! Le circuit vient de lâcher. Les gouvernes durcissent. Mais comment elles sont bloquées? Votre foutu appareil Tanguy, c'est de la cablotte, de la ferraille, vous entendez? De la ferraille! C'est très bon ça. Inespéré. Milton Zulu de Jumbo, préparez-vous à sauter. Procédure d'éjection. Baissez votre visière. Baissez votre siège. Calez votre tête. Tenez-vous bien droit. Empoignez le rideau à deux mains. Tirez vers le bas. Allez, en avant. Ici les opérations de la deuxième escadre. Nous venons de perdre un mirage dans le triangle Langres, Dijon, Besançon. Lancez à vide recherche. Nous envoyons nos sections de sauvetage.